Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test. On vous parle d'un boîtier avec le MSI MPG Velox 100R. Un boîtier clairement orienté silence avec une face avant qui est assez peu respirante mais bien équipée puisqu'on a trois ventilateurs de 120 mm. On a également un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Le tout à des vitesses qui sont assez peu élevé, donc un boîtier plutôt silencieux, un boîtier plutôt orienté aussi RGB, puisque ces quatre ventilateurs ont le droit à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a également un cache alimentation avec un liseré RGB, et bien sûr, on a une porte en verre trempé sur le côté gauche pour pouvoir admirer l'intérieur du PC tout illuminé, et on a également du verre trempé sur la face avant pour profiter des trois ventilateurs de 120 mm. On vous propose, comme toujours, de faire le tour complet de ce boîtier, à l'extérieur, à l'intérieur, avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On va également parler RGB et en fin de vidéo, on reviendra sur les niveaux sonores de ce boîtier et également les températures. On termine sur le tarif. Le boîtier est disponible sur internet à partir de 154,90 €. Comme toujours, on commence avec les tech specs concernant ce Velox 100R. On est sur un boîtier compatible EATX, ATX. On vous le redira, plutôt ATX. Sur les dimensions, on est sur 474 mm de profondeur, 231 mm de largeur, 490 mm de hauteur, le poids est de 7,5 kg. On vous donne tout de suite les restrictions. Ventirad CPU, 175 mm de hauteur. Carte graphique, 380 mm maximum. Alimentation, 220 mm maximum. Water cooling, 280-360 mm à l'avant, 280-360 mm dans le haut, 260 mm dans la partie droite de la carte mère. D'un point de vue du style, c'est joli, c'est bien fait, c'est ultra propre. On aime surtout la très belle intégration de ce petit dragon MSI avec un écusson qui est noir brillant et avec un intérieur gris métal. On va retrouver des parties en plastique dans la partie haute, dans la partie basse, un marquage MPG, une partie en verre trempé au centre qui est teintée pas trop foncé, et on va avoir des grilles sur le dessus, sur les côtés, pour que l'air puisse être aspiré à l'intérieur du boîtier. C'est filtré via un mesh acier qui propose des gros trous. Alors on sera clairement pas sur du airflow, mais on sera pas non plus sur du ultra silence. On devrait avoir un bon compromis, d'autant que les ventilateurs ne tournent pas trop vite ni en 5 volts ni en 12 volts, ce qui fait que l'air va pas trop forcer à l'intérieur du boîtier. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont intégralement peints. Le panneau n'est pas teinté et on a une petite poignée sur le côté pour pouvoir l'attraper, et ici on a des petits rubbers en caoutchouc pour pas que ça claquouille de trop. Dans la partie basse, on y reviendra, on a des pieds en acier qui sont plutôt jolis. Si on passe maintenant à droite, on va avoir un panneau en acier avec ici une grille qui est filtrée par derrière parce qu'on va pouvoir installer deux ventilateurs de 120 mm en interne. On continue à l'arrière avec ici une grille en 120 mm, réglage de la hauteur sur 3 cm, emplacement pour la plaque EOShield de la carte mère, 7 slots d'extension classique, emplacement de l'alimentation dans la partie basse avec des bandes en caoutchouc et un petit filtre amovible. On continue au-dessus de ce Velox 100R avec ici une grande grille protégée par un mesh plastique aimanté, compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, radiateur de water cooling en 360 mm ou 280 mm. Ici, on a le panneau de contrôle avec le power on, le reset, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio, deux USB 3.0, un USB type C et le bouton afin de gérer les LED. Sous le Velox, maintenant, on va retrouver deux pieds en acier qui sont assez jolis avec des gros pads en caoutchouc. On va voir le filtre amovible à destination de l'alimentation et on va voir ici les points d'ancrage de la cage HDD car cette dernière pourra être avancée dans le boîtier ou alors complètement retirée. On termine ce tour extérieur avec la face avant démontée. Il suffit de la déclipser dans la partie basse, elle se défait très facilement. Vous le verrez, ça vous donnera accès en fait aux trois ventilateurs de 120 mm ARGB qui sont présents de base dans le boîtier. On retrouve le même ventilateur à l'arrière et ces trois ventilateurs sont installés sur une grille compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 360
ou 280 mm. Comme vous le voyez, on a les trois ventilateurs à l'extérieur du boîtier, ce qui veut dire qu'on pourra ajouter un radiateur derrière et trois autres ventilateurs, d'autant plus que, on le verra un peu plus tard, le cache alimentation a une ouverture qui permettra de le faire. On passe maintenant à l'intérieur de notre Velox 100R, un boîtier qui est compatible EATX. Toutefois, si vous passez en EATX, vous allez recouvrir les deux passages du centre. Donc, autant dire qu'on est plus sur un boîtier ATX qui pourra accueillir du EATX, mais sans grande conviction, on va dire. Dans la partie haute, on a des passages pour les câbles. On en a trois avec à chaque fois des caches en caoutchouc. On a un grand passage central pour pouvoir accéder à l'arrière de la carte mère au niveau du système de refroidissement. On a deux passages sur le côté avec des caches en caoutchouc. Juste à côté, on retrouve deux grilles compatibles 2 x 120 mm ou radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Dans la partie basse, on a un grand cache alimentation avec trois passages qui sont équipés de dispositifs en caoutchouc. On a également un liseré RGB ici, une petite fenêtre pour l'alimentation, et sachez, même si ce n'est pas précisé par MSI, qu'on pourra installer trois ventilateurs de 120 mm si nécessaire au-dessus du cache alimentation. Si on passe à l'avant, on va retrouver nos trois ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base. On pourra remplacer ces trois ventilateurs avant par des ventilateurs en, je vous le dis de tout de suite, en 2 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, ça sera 280 mm ou 360 mm maximum. Notez qu'on a une large ouverture à l'avant du cache alimentation, ce qui veut dire qu'on pourra faire du push-pull même en 360 mm. Si on continue à l'arrière, on retrouve de nouveau un ventilateur de 120 mm, ARGB comme les trois à l'avant. On a 7 slots d'extension classique. On a dans le bundle un dispositif qui permettra de passer la carte graphique à 90 degrés avec pas mal de points de fixation pour les risers. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose puisqu'on pourra forcément trouver le bon emplacement pour installer un riser. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des grandes bandes en mousse pour limiter les vibrations. On termine dans la partie haute avec une grande grille qui est compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 280, 360 mm. Derrière le plateau de la carte mère, on va retrouver nos trois passages dans le haut avec des caches en caoutchouc, les deux passages centraux avec des caches en caoutchouc, le large accès backplate, deux braquettes pour installer deux SSD. Ici, le dispositif pour gérer le RGB avec trois prises additionnelles pour pouvoir linker d'autres produits. Et on a une quatrième prise libre ici. Ensuite, on va voir dans la partie basse la cage HDD avec un panier compatible montage sans vis 2,5 pouces, 3,5 pouces, un emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces pouce au-dessus de la cage HDD. Bien sûr, la cage HDD est amovible. Ici, emplacement de l'alimentation avec deux bandes en mousse. Enfin, on termine ici sur le côté où on a des points de fixation pour installer deux ventilateurs de 120 mm avec des petits passages pour passer les câbles des ventilateurs. Et c'est également compatible radiateur de water cooling en 240 mm. On notera qu'on a des scratchs au centre pour pouvoir relier tous les câbles ensemble, et on a beaucoup de dispositifs pour mettre des colliers et faire un montage ultra propre. On reste toujours à l'intérieur de notre Velox 100R, mais vous pouvez le voir maintenant, on a notre configuration montée à l'intérieur. Alors, on a décidé d'installer la carte graphique à 90 degrés puisqu'on a un support à 90 degrés qui est livré dans le bundle. On a utilisé par contre un riser autre optionnel qui n'est pas livré avec le boîtier. Revenons à ce support de carte graphique car c'est probablement la chose qui nous a le plus chagriné avec ce boîtier. En effet, si vous passez ici à l'arrière, vous pouvez voir qu'avec le tournevis, on n'a pas accès aux vis qui permettent de brancher, de relier la carte graphique au riser. Ce qui veut dire que pour pouvoir installer correctement la carte graphique avec le riser, il va falloir en fait prendre le support, monter le riser sur le support, enficher la carte graphique à l'intérieur et visser la carte graphique au support, et ensuite aller remettre le tout en place et remettre les deux petites vis ici. Clairement, c'est pas le support à 90 degrés qu'on a vu qui est le plus pratique du monde. En plus, quand vous allez le remettre, si vous avez une carte graphique qui est custom comme la nôtre, vous allez buter un petit peu dans le ventirad, un petit peu dans la mémoire. Faudra bien jouer sur la profondeur. Parce que si vous vous mettez sur les derniers slots pour avoir une carte graphique un peu plus renfoncée,
Vous ne pourrez tout simplement pas installer la carte graphique puisqu'elle viendra buter par exemple contre les barrettes mémoire. Donc il faudra utiliser les slots qui sont le plus à l'extérieur. Après, c'est dommage parce que clairement ce support à 90 degrés il est plutôt bien fait parce que juste en dessous ici en fait il y a une petite partie en acier qui est recourbée et qui fait que ça vient s'appuyer sur le cache alimentation et vous voyez ça nous donne une fixation qui est très solide du riser, le riser ne bouge pas du tout. Après, pour le reste du montage, comme vous pouvez le voir, c'est ultra propre. On a beaucoup de place dans le haut, on l'a dit, on a également beaucoup de passages avec à chaque fois des caches en caoutchouc. Ça donne un très beau résultat. Ici, avec le riser, on a une sorte de petit cache additionnel qui vient en plus dissimuler les quelques câbles pour, par exemple, l'USB type C ou l'USB 3.0. Donc, ça reste très efficace. Et vous le voyez, c'est très joli. Et même avec notre carte graphique qui est custom et donc plutôt longue, si on décidait de mettre du gros radiateur de water cooling en 360 mm à l'avant et même de pousser encore plus loin et de mettre du push-pull, eh bien, ça passerait sans peine. Donc, mis à part nos griefs sur ce support à 90 degrés que vous ne serez pas obligé d'utiliser, le montage est plutôt rapide et propre. D'ailleurs, on vous montre la partie arrière. Alors, la partie arrière, on va vous dire la même chose que d'habitude. On a beaucoup de RGB dans le boîtier, vous allez le voir dans quelques instants. Qui dit beaucoup de RGB dit beaucoup de câbles. Donc, ici, on a tous les câbles des ventilateurs qu'on pourra dissimuler derrière la petite tranche en acier. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, ici, on a les câbles principaux avec tous les câbles du panneau de contrôle, le 24 broches ATX, le câble pour la carte graphique. Et comme on a des scratchs, on va pouvoir faire une grande fente centrale et pouvoir regrouper en fait une grosse majorité des câbles. Ensuite, ça va se compliquer un petit peu avec tous les autres petits câbles qui vont traîner pour le RGB, qui en plus ne sont pas forcément branchés, c'est juste que MSI a prévu d'autres sorties RGB, donc on en a trois par exemple ici, mais en fait elles ne sont pas utilisées pour le moment. Donc au pire, ce qu'on pourrait faire, puisque là on a les systèmes RGB pour les ventilateurs, pour ici le système de LED dans la partie basse. En fait, ce qu'on pourrait même faire, c'est retirer les câbles qui ne sont pas utilisés pour gagner un petit peu en visibilité au niveau du montage. Cependant, vous le voyez, avec notre alimentation modulaire, le SSD SATA et tous les autres câbles, on a un montage qui est très propre et quand on veut fermer la porte, ça ne pose pas de problème. Avant de conclure sur ce boîtier, on vous propose de découvrir ce dernier allumé, histoire de profiter de la maxi dose de RGB qu'on a de base. Hein. Clairement, trois ventilateurs de 120 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière et un liseré RGB au niveau du cache alimentation. Franchement, si vous aimez le RGB, vous ne serez pas déçu. On pourra gérer bien sûr le RGB avec la carte mère puisqu'on est sur du ARGB, mais on a également un tout petit bouton ici qui permettra de changer les différents modes de fonctionnement du RGB. Et vous pourrez ainsi, si vous n'avez pas envie de passer des heures à configurer votre RGB, choisir une couleur simplement ou un mode respiration assez facilement également. Il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton et ça vous permettra de changer les différents modes et les différentes couleurs. Ouais, là on vient de passer en mode respirant. Le jaune, le vert, le bleu ciel, le bleu foncé, le blanc, le turquoise, le violet, pardon. Un mode avec trois couleurs qui est, on doit le dire, assez joli. Et après, on repasse sur les couleurs basiques et on va retomber sur le rainbow comme on avait en tout début de vidéo. Et le rainbow, c'est beau. Allez, hop, tout de suite, conclusion sur ce boîtier Velox 100R par MSI. On conclut sur ce boîtier MSI Velox 100R. Vous savez tout du boîtier, on vous a tout expliqué. On parle tout d'abord d'un excellent point, le silence de fonctionnement, 31,6 dB. En 5 volts, 35,7 dB en 12 volts, c'est extrêmement silencieux. Enfin, c'est inaudible en 5 volts, très silencieux en 12 volts. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau avec les températures, ça reste acceptable au niveau des températures. On n'est pas sur un boîtier Airflow, on a 4 ventilateurs, ça fait le travail. Des ventilateurs qui ne tournent pas très vite, donc assez peu de nuisances sonores via la face avant qui respire moins que sur un boîtier Airflow. Très bon choix de la part de MSI d'avoir réduit la vitesse des ventilateurs. Certes, les températures sont à la hausse, mais ça engendre pas des nuisances sonores de folie. Ensuite, on a
Un aspect physique qui est très flatteur, panneau en RGB, panneau en vert trempé avec RGB à l'avant, panneau en vert trempé sur le côté, du RGB sur le ventilateur arrière, du RGB sur le cache alimentation. On a des bons équipements, on a par exemple aussi un châssis qui est très efficace pour le montage. Par contre, clairement, le support à 90 degrés, il est moyen, pas facile à utiliser parce qu'on est obligé de monter la carte graphique dessus en premier et ensuite on met l'ensemble dans le boîtier. Et après, on aura beaucoup de câbles à l'intérieur du boîtier puisque beaucoup de ventilateurs plus beaucoup de RGB égale beaucoup de câbles et donc il faudra faire une super gestion des câbles à l'arrière. Alors certes, on a des scratchs, des dispositifs pour les colis et tout, mais il n'empêche que ça fait beaucoup de câbles à gérer. Enfin, dernier point, le tarif, 154,90€ minimum sur internet. Alors si vous êtes à la recherche d'un boîtier extrêmement silencieux avec une tonne de RGB et un châssis facile à exploiter, ce boîtier est fait pour vous. Il n'empêche que pour un boîtier moyen tour ATX, EATX, plutôt ATX, on reste sur un prix qui est relativement élevé, mais très souvent en ce moment, quand on est en moyen tour, vert trempé, RGB, plus châssis aux petits oignons, on est clairement sur des tarifs qui sont relativement élevés. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique, et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.